dire que la vie est courte, mais ça je crois que tu le sais. Tel que si tu le sais, apprécie Ali, le bien comme il faut. Apprécie la vie, apprécie Ali. Hey, salut, comment ça va? Apprécie chaque instant. Good morning, konnichiwa, namaste, sawadi. Alors donc, j'espère que tu vas bien. Je suis Fabrice Ochoui, fondateur du groupement européen des professionnels plus dynamiques et plus audacieux. Aujourd'hui, on va vous parler d'une belle vidéo. Le bonheur d'entreprendre. Waouh! Eh bien, ça fait 29 ans que je croque la vie à pleines dents. Et je peux vous assurer, mes amis, que je suis vraiment très heureux parce que 29 ans de bonheur. Ça fait 29 ans que j'ai du bonheur dans l'entrepreneuriat. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Je me suis fait coacher, j'ai réussi. Quand je n'étais pas coaché, j'ai échoué, mais j'ai appris. Et j'ai décidé d'aller plus vite et je me suis fait coacher pour avoir du bonheur et pour avoir de la croissance, pour faire scaler mon business, pour aller plus haut. Et maintenant, je peux vous dire que la vie est belle, la vie est magnifique. Et ça vaut vraiment le coup d'entreprendre pour avoir du bonheur. Entreprendre pour être heureux parce qu'on se remplit les poches. Là. Quand on se remplit, quand on a les poches pleines, eh bien, on peut faire plaisir à des gens. On peut entreprendre pour aller aider des gens à manger ou à boire, tout simplement. Les fêtes viennent se terminer, j'ai fait un don. J'ai été voir une association caritative là et j'ai acheté des jeux. J'ai donné une enveloppe pour acheter des jeux pour les enfants. Qui n'ont pas de cadeaux, qui n'ont pas eu de cadeaux, et j'ai été faire un peu la distribution de cadeaux. Passer du bon temps en fin d'année, c'est aussi bien, aussi bon. Bon, j'ai pas fait de vidéo parce que j'ai pas voulu étaler ce que je fais personnellement pour moi, mais c'était que du bonheur. Et pourquoi ça? Et bien tout simplement, c'est grâce à l'entrepreneuriat, parce qu'aujourd'hui, je peux gagner de l'argent même quand je dors, je gagne de l'argent. Et même quand je suis en week-end, je fais aussi des ventes, des fois. Des fois que même que je suis au lit, bien au chaud, douillé, j'entends mon téléphone sonner. Tching ! Je dis, tiens, il y a une vente. Et pourtant, j'étais en train de faire autre chose que de travailler. Donc, le bonheur d'entreprendre, et aujourd'hui, pourquoi ? Parce que mon business travaille pour moi. Je ne suis pas esclave de mon business. Ma muse travaille pour moi et je ne suis pas obligé de passer là 24 heures dans mon boulot. Je suis libre. Je suis un homme libre et je voyage quand je veux. C'est pour ça que je suis là devant vous en chemise exotique avec mon chapeau de paille. Et j'adore ça quoi. J'adore. Donc vous allez voir une série de vidéos comme ça avec plusieurs chemises. Parce que je viens de m'acheter une série de chemises. C'est ma tenue pour aller en voyage. Et pour travailler un peu en même temps, parce que quand je suis en voyage, je vous fais quelques vidéos pour partager mon lifestyle. C'est pas pour me la péter, mais pour vous montrer que c'est possible. Si c'est possible pour moi, c'est possible pour vous aussi. Pourquoi? Parce que c'est que du bonheur d'entreprendre. Que du bonheur pour pouvoir se remplir les poches et pour pouvoir redonner. Redonner à une association caritative, parce que là, les enfants, ils étaient très, très heureux pour Noël. J'ai vu les yeux pétiller, les yeux briller. J'ai dit, waouh, merci. C'est grâce à mon travail, à mon business, grâce à mes clients aujourd'hui. S'il y a certains clients qui sont en train de regarder la vidéo, je vous remercie. C'est un peu grâce à les formations que vous avez achetées et que j'ai pu acheter, redonner une partie et faire plaisir à des enfants. Donc voilà, c'était vraiment un tel bonheur. Et c'est aussi un bonheur quand je rencontre les gens, quand très rarement je coach des gens. Et toutes les personnes que j'ai coachées,
Eh bien, c'était que du bonheur parce que c'était des échanges énormes, beaucoup d'émotions. On voit la personne sortir de zéro et puis commencer à gagner sa vie. Et puis, ce qu'elle est montée, gagner 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 euros, 6000 euros même. Je dis waouh, je suis content. Parce que là, la personne, je la vois monter et je lui dis ben oh, doucement maintenant, il faut apprendre l'humilité. C'est pas parce que tu brasses de l'argent, il faut devenir arrogant. C'est l'humilité, c'est l'attitude professionnelle qu'il faut avoir tout simplement. Quand vous allez avoir du succès dans vos affaires, soyez humble, soyez simple. Mais soyez déterminé, soyez le cygne sur le lac majestueux et qui pédale très fort en dessous pour avancer. Mais il paraît juste majestueux, l'image du cygne. Ça, c'est mon coach en 94, là maintenant. Waouh, 94, ça fait longtemps là, ça fait... 94, 2004, 2014, là on est en 2018, waouh, 24 ans déjà, yeah. Et aujourd'hui, ben, alors que mon coach, lui, qui roulait dans une voiture personnalisée d'usine, et il habitait dans un château de 1500 mètres carrés, waouh, donc à l'époque, il avait... même pas encore 40 ans, 38 ans, et brasser énormément d'argent déjà en francs. Ok, donc c'était des exemples de réussite comme ça que j'ai vu, qui m'a permis d'entreprendre très jeune et pour mon tour aussi maintenant, ben, croquer la vie à plein dents, tout simplement. Voilà, c'était le bonheur d'entreprendre avec Fabrice Auchuy. Si tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo, ben, je vais te donner un cadeau. Et ton cadeau, voilà, c'est 4 vidéos pour apprendre à entreprendre, tout simplement. Et dis-moi sur quel email envoyer, c'est ton cadeau. Le lien est en bas, clique sur le lien et je te dis, on réussit ensemble en 2019. Et 2019, c'est ton année pour entreprendre, pour devenir libre. Toi aussi, si tu veux kiffer la vie et puis ben, être libre et dire bye bye à ton patron, il y aura une possibilité. Voilà, c'était Fabrice Auchuy, fondateur du groupement européen des professionnels plus dynamiques et plus audacieux. Allez, ciao ciao mon ami, t'embrasse. Et je te dis bon succès. Et cette année, on va faire exploser ton revenu. Allez, ciao!